Merci. Bon, je vais commencer par remettre mes bretelles. On s'est un peu laissé emporter, moi et ma gang. Oh, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que vous venez d'entendre, c'est une projection audiovisuelle qui est composée de sons provenant exclusivement de ma bouche, de mon corps et de mon cher saxophone. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, je m'étais donné comme défi de monter un numéro seul. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment eu la chance de faire auparavant. Par contre, j'avais pas pour autant envie de jouer seul, alors voilà le résultat. Donc, sur cette même lancée, je me prête à vous présenter une composition dont je suis à la fois l'auteur et le compositeur, et dont j'en serai également sous très peu l'interprète. Alors, c'est une pièce que j'ai écrite dans le rire, dans la joie et dans la bonne humeur. J'espère sincèrement être en mesure de vous procurer un sentiment similaire. Alors, sans plus attendre, donc, je vous raconte ça. Je tiens à préciser, juste avant de commencer, que c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors, c'est parti, let's go. Décompressé, en train de travailler à ma pharmacie, c'était un samedi midi. J'ai vu une extravertie, une dame aux cheveux gris. De sa petite hauteur, le cœur plein de malheur, regard trompeur, enjoué, elle s'est approchée. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle m'a dit, alors que je lui souriais par courtoisie. Elle s'est écriée fort en titi. Ah, c'est un petit noir, un petit noir, un petit noir. Ah, un petit noir, un petit noir. Certains pourraient penser que ça m'a préoccupé de me faire appelé par un nom percutant, mais ce n'est pas vrai du tout. Partout il y a des différences. Libre à vous d'en faire des atouts ou des différents. J'ai quand même compris que les esprits de nombreux sont pris dans des vieux nœuds. Tant pis pour eux, je leur souhaite le mieux. Moi je préfère en rire, l'autodérision c'est ma guérison. Durant les soirées autour de la nourriture, on peut m'entendre dire jusqu'à la mer d'Azur que ah, je suis un petit noir, un petit noir, un petit noir, ah, un petit noir, un petit noir. Pour finir, je vais vous dire, sans rire, que ça me fait réfléchir, ces péripéties-là. T'sais, la madame a dit que j'étais un petit noir, mais entre nous autres, là, je suis pas petit. Il y a tellement des gens déplacés qui sont même pas capables de t'appeler par ta vraie grandeur. Ben, je suis navré, madame, mais vous auriez dû voir et m'interpeller. En me disant que j'suis un grand noir.